création d'emplois, mais il a aussi promis qu'il n'y aurait aucun licenciement sec, une promesse que le gouvernement ne prend pas pour argent comptant. Il exige qu'elle soit respectée et la polémique prend des airs d'affaires Michelin. Michel Le Maire, Jean Bernard. Suppression de 1500 à 2000 postes d'ici 18 mois sur des fermetures d'usines en France. La mission est lourde pour les salariés de Moulinex. Le PDG tout est cependant d'atténuer les aspérités les plus rudes du plan social présenté ce matin. Je m'engage à trouver une solution pour tous. Je veux éviter les licenciements secs et nous pouvons reconvertir le personnel s'il accepte la formation moyennant des reclassements, moyennant la réindustrialisation, de manière à ce que ce plan industriel qui est douloureux et qui crée beaucoup d'émotions, je comprends, mais à ce plan industriel puisse ne pas avoir d'impact sur les personnes qui ont aujourd'hui un poste de travail à faire les autres. Un peu dubitatif sur ses engagements, les députés se retournaient cet après-midi vers le gouvernement, à commencer par les élus de Basse-Normandie inquiets sur l'évolution d'un bassin d'emploi qui a déjà beaucoup souffert des restructurations industrielles. Je me demande, monsieur le Premier ministre, si après l'affaire Michelin, nous n'avons pas maintenant une affaire Moulinex. Monsieur le Premier ministre, si un élu avait la responsabilité de l'entreprise Moulinex, je crois qu'il ne survivrait pas à un tel désastre humain et social. Nous demandons à Moulinex, lançait solennellement le ministre de l'Industrie, de prendre toutes ses dispositions pour limiter l'impact de ses choix industriels. D'abord, veillez scrupuleusement à ce que l'engagement des dirigeants de